ye la go unu na pa mu ale ye nyomo su nyo obia mu la go unu na pa o yo ye eyi ye la go kedomo go fro eyi ye la go dans chaque maison, il y a une loi. Ici, ça a toujours marché. C'est qu'on fait là, ça marche.
Donc ici, nous avons besoin de votre aide. Si vous venez ici passer aux chaises, bientôt tout ça là. Allez, merci déjà à cette dame. Sans qu'on lui demande quelque chose, c'est elle qui nous a donné le congélateur. On acclame le Seigneur. Conserver déjà la nourriture et tout ça, ça c'est déjà un grand pas. Nous avons tellement de choses à faire ici, à réaliser ici. N'oubliez pas que nous avons des personnes qui sont ex-sorcières, que les parents ont abandonné de nos mains. Ces personnes sont sous nos charges parce qu'ils ont droit aussi à la vie. Nous les nourrissons. Nous les nourrissons. Il y a des personnes qu'on doit prendre en charge. Il y a des personnes même que je dois scolariser. Parce qu'il faut communiquer la vie. Donc nous avons trop de besoins. Trop de besoins. C'est pour ça que cette caisse-là, on a mis caisse, fais ton don pour contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Si vous venez ici, dites-vous que vous devez contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Plus tu béniras Dieu, plus Dieu te souviendra de ta mère. Nous avons trop de charges. Notre charge nous revient à 1 300 000. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, qui suivent notre YouTube, qui aiment un peu le travail que nous faisons, vous devez nous soutenir. Vous devez nous soutenir. J'en profite pour dire merci à Augustin pour sa voiture, cette voiture, qui n'a jamais cessé de nous soutenir depuis qu'on l'a rencontré. Il y a aussi les dames telles que Elisabeth, telles que ceux qui sont en France, telles que Patrice, qui veut aussi créer une collectif des gens de la diaspora pour nous soutenir. Il y a beaucoup de personnes déjà qui pensent à ça. Quand vous venez ici, soutenez-nous. C'est vraiment important. Vous devez nous soutenir. Pour que nous puissions libérer la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Amen. Afin que nous soyons totalement libérés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose sans argent. Vous partez à l'hôpital, qu'on dit c'est pour l'État. Consultation au pays. Vous payez. La Bible, on dit Bible, là, vous payez ça. Ça s'achète, c'est la parole de Dieu. Mais ça, c'est vrai. Si on ne paye pas ça, comment faire comment? Pour nourrir ceux qui fabriquent les billes. Tout s'achète. On ne peut rien faire maintenant sans argent. Et vous pensez à ça. Vous ne voyez pas des choses comme la gratuité. Vous devez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux aveux. Viens la petite. Donne-moi un peu. Écoutez, ici, je vais expliquer. Je vais expliquer le système des aveux. Prenez la Bible, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4. Je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer, ça va être un peu clair dans la tête des gens. 1 Corinthiens. Pour ceux, qu'est-ce que je vais faire les commerces? Pour mettre du moins les commerçants. Est-ce que vous savez qu'avant de démarrer un commerce, on vient d'abord prendre une offrande à Dieu? Vous avez ça? Ok. Est-ce qu'on ne savait pas ça? Parce que il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et il a commencé par la terre, c'est ça? Hein? Il a commencé par quoi? Le ciel. Pourquoi tu commences par la terre? Voilà, merci. Une dernière question. Ça dit, ils disent quoi? Il faut commencer d'abord avant de donner à Dieu. D'où vient la pluie? Du ciel. Donc, tu commences par le ciel. À donner ton offrande à Dieu. C'est une manière de tisser une alliance. Dieu, le commerce, l'argent appelle l'argent. Prenez le sceau, je vais vous éclairer quelque chose. Le sceau, c'est ça le secret des Juifs. Ce sont les puissants gamins d'argent. Avant de démarrer une affaire, il va tisser une alliance entre son affaire et Dieu. Le sceau 20, le verset 4. Vous savez que les ventes de là, vous voyez les ventes de là, ils pensent à Dieu avant de commencer les commerces. C'est une loi divine. Une loi. C'est parce que pour les démoniaques. Le sceau 20, le verset 4. Qui se souvient de toutes tes offrandes? Qui se souvient de tes offrandes? À ce moment-là, se souvient de quoi? Et qui agrée tes holocaustes? Qui agrée tes holocaustes? Qui te donne ce que ton cœur désire? Donc, ce que ton cœur désire. Parce qu'il doit se souvenir de nos offrandes. Et qui accomplisse tous tes desseins, tout ce que tu veux. Qui se souvient? Souviens. Tu vas faire quoi? Pour que le diable attaque ton commerce, tu dis, ah, avant de commencer l'affaire. Il se souvient. Souvenez-vous avec ce qu'il a fait là. Il se rappelle de ça. C'est ça l'appel souvenir. Combien? Amen. C'est pas ça? Amen. Non, je suis tombé. Mais tu es tombé. Et Dieu se souvient de rien. Vous voyez, d'ailleurs, vous prenez. Vous voyez Dieu en bête, quoi. On ne demande pas une affaire comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un commencement. Tout déterminé par le commencement est déterminé par le commencement.
Quand tu commences mal, tu finis mal. Un homme m'a fait la femme manger, tu as commencé à dire. Hein? C'est quand c'est difficile, on dit, peux-vous venir les gars? Elle dit, non, je me souviens de rien. Je n'ai pas composé avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, regardez ici, nous, nos aveux, allons-y. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Écoutez très bien. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Il y a beaucoup de dons. Mais le même esprit. Le même esprit dont les dons. Diversité de ministères. Diversité de ministères, c'est-à-dire des services. L'autre est pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur que nous servons. Je suis le pasteur, je suis prophète, on est ensemble, on sert le même Seigneur. Ce n'est pas la peine de blâmer l'autre. Chacun a son ministère. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, on aime attaquer l'autre. Et c'est dangereux. Chacun a son ministère. Pasteur ne peut pas être prophète. Prophète ne peut pas être pasteur. Il y a d'autres qui veulent, ils sont bishops, ils sont prophètes, archibishops, ils ont tous ces titres. Ils sont patriarches. Ah, patriarches. Amen. C'est comme le gouvernement de quelqu'un qu'on connaît avant. Cinq ministères. Chacun a son ministère. Dieu t'appelle un service. Il te qualifie dans du service. Quand Dieu appelle quelqu'un dans un ministère, il le qualifie dans le ministère. Vous serez demandé à Dieu de vous appeler. S'il va vraiment appeler, tout le monde saura ça. Amen. Quand Dieu donne, il a vraiment donné le don. Ce n'est pas de la peu près. Allez-y. Allons-y. Diversité d'opérations. Et maintenant, la troisième chose dit diversité d'opérations. Il y a des garçons, levez-vous les filles. Montrez-moi les filles. Voilà. Voilà, ta version. Ça doit être garçon, c'est petit, mais. Non, Corinthiens, c'est le Nouveau Testament. Oui, si, si. Si, si, Nouveau Testament. Voilà. Ah, Corinthiens. Romains, Galates. Romains, Galates. Corinthiens. 1 Corinthiens. Le chapitre 12, le verset 6. Et les personnes qui n'ont pas la Bible. Montez les Bibles. 1 Corinthiens 12, 6. Ah. Comprends pour ça si vous mangez. Vous laissez vivre à la maison. Oui, 6. 1 Corinthiens 12, 6. Écoutez, 1 Corinthiens 12, 6. Il y a diverses activités. Il y a diverses activités. Mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En tous. Moi, j'ai fait mon activité. J'ai dit, Dieu m'a mis à cœur, c'est un rémat. Quand Dieu te donne un ministère, tu donnes le rémat. Comment fonctionner ton ministère? Fais fonctionner ton ministère. Moi, j'ai compris que par Dieu, selon Dieu, la version de Dieu, il faut faire passer les sorciers aux aveux. Pourquoi? Et c'est une manière de briser le pacte qu'ils ont tissé. C'est là-bas, là. C'est qu'on fait, on ne dit pas. Donc, quand il parle publiquement, c'est pour ça que le sorcier, avant de mourir, il parle. Pardon. Ah, il a parlé avant de mourir. C'est comme ça. Donc, quand il parle, ça brise le pacte. Paf. Donc, quand vous lisez Jacques, le chapitre 5, le verset 16, Jacques, chapitre 5, le verset 16, je vais expliquer avant de parler, avant de faire l'action tout à l'heure. Jacques 5, le verset 16. Jacques, c'est derrière la veille de quelque part là-bas. Ceux qui sont étrangers à Jérusalem, je vous montre le chemin. C'est quelque part hébreu, c'est mon nouveau testament. Confessez donc vos péchés, oui, les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit à Dieu. Donc, mais pourquoi le prophète ne laisse pas que ça soit à huis clos? Mais on dit cette fois-ci, confessez vos péchés les uns aux autres. Ce que tu as fait là, dis ça. Dis. Alors? Et prier pour les autres. Ah, mais là, c'est fini, oui, fini de parler. Moi, je dois maintenant prier. Tant que la personne ne parle pas, on ne prie pas. C'est bon? Afin que vous soyez guéris. Maintenant, Dieu guérit la personne de cette maladie qu'on appelle sorcellerie. Sinon, il n'y a pas de guérison. Sorcier ment beaucoup. Nous avons d'aller beaucoup prier pour les sorciers. Il ne faut pas délivrer. Il faut forcément les affaires. Allons dans ta version. C'est la version par an courant, par français courant. Jacques, non, Jacques 5, le verset 16. Est-ce qu'on me suit bien?
ce Nouveau Testament, il est libéré. Après un peu. Donc vous péchez les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Amen. Attends, je vois. Il faut confesser les péchés les uns les autres, vous comprenez? D'abord la confession, l'étape d'abord la confession, les aveux. Après les aveux vient l'étape de quoi? La prière des démons, n'est-ce pas? Parce que c'est le sorcier possédé d'un démon. C'est un esprit qui est en lui et qui l'amène à manger comme un vampire, boire le sang. Tant que les personnes ne peuvent pas l'aveugler, il est difficile que le démon quitte le corps. Tu m'as bien saisi? C'est après ça, maintenant vient l'étape de la guérison, où Dieu prend le soin de guérir la personne malade. Il a sorcellerie. Parce que pour nous, la sorcellerie est une maladie. On ne mange pas d'être humain. Donc quand quelqu'un arrive à ce stade, la personne est possédée. Donc vous devez aider même les sorciers. Ce n'est pas la peine de les tuer. Amen. 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 Donc ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas humilier quelqu'un, non. Les gens disent que le prophète même fait passer les enfants aux aveux. Mais si un enfant dit qu'il tue, d'accord, le laisser manger. L'enfant dit qu'il tue. C'est ce qu'il tue là, c'est ce qu'on enlève. Amen. On va écouter les aveux de cette fille. D'abord, cette fille, c'est pas moi qui l'ai envoyée ici. Comment elle est arrivée ici, la dame venez. Écoutez bien l'histoire avant de démarrer. Poussez là. Comment vous avez contact? Comment vous êtes en contact avec moi? Bon, j'ai eu bon contact par le biais de mon belle-sœur. Bon, elle a vu ça à la télé, bon, les gens m'ont dit que la télé, elle a communiqué ça à son grand frère. Et lui m'a communiqué ça. Donc moi j'ai fait un songe, maintenant un songe, c'était les attaques, c'est comme un infime qui me faisait l'amour. Donc moi, bon, j'ai dit, où j'étais en train de m'arrêter, c'était les mêmes attaques. Et cette fois-ci, les mêmes attaques encore se répètent, les mêmes songes. Après moi j'ai négligé. Et à cette fois-ci-là, je ne vais pas négliger. Donc vers une heure, il est arrivé mon mari, il dit, à cause de lui, on va prier. Voilà, même songe dans le sang, on l'a fait encore. On a pris, on a pris, on a pris. Le matin, lui, il a expliqué ça à sa petite soeur. Quand Nicole dit, voilà, songe, elle a fait encore. Elle dit, bon, d'accord, prends ce numéro. Comme elle vient sur Thibaut, voilà, 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 prends le numéro pour appeler. C'est comme ça, lui-même, il a appelé d'abord. Et quand je venais, il m'a donné le numéro. Et j'ai appelé. J'ai pris rendez-vous. Et je dis, j'ai croisé. Quand je suis venu, il dit, ah pasteur, prophète, voilà le songe que j'ai fait, que je ne comprends pas. Vous m'avez regardé, vous m'avez dit, ah vraiment, Dieu avec vous, que tu avais 3 semaines de vie, on va te faire un bain d'onction. Quand tu vas partir, la personne qui est à la base, ton sorcier même va se dévoiler. Et c'est pour ça que je suis parti à la maison. Donc quand je suis arrivé, bon, le soir je prie, je dors. J'ai fait 3 jours ici. Je prie, je dors. Je vais dans la journée, je reviens le soir. Donc le dernier jour, quand j'ai fini, je suis partie à la maison. Donc le soir, j'ai dit à ma belle-mère, ah mamie, venez, on va prier, on va dormir, on va tous prier ensemble. Donc j'étais en train de prier. Donc je récitais la prière. J'annule toutes les décisions prises. On récitait la prière ensemble, toutes les décisions prises par les sorciers. Depuis le village au nom de Jésus, on a fait ça 7 fois. Quand on est arrivé sur la deuxième prière, que toute méchanceté projetée contre moi retombe sur les envoyeurs. Donc ma fille, on était en train de prier, qu'elle prie. Donc elle a prononcé la prière, elle n'a pas pu tenir. Ah maman, le feu me brûle, mamie, le feu me brûle, elle disait ça à sa grand-mère, le feu me brûle. C'est ce qu'elle a dit.
Okay. Le feu me brûle, le feu me brûle. Dans sa grand-mère aussi a eu peur, elle allait chercher de l'eau. Elle a vu les sapins pompiers. Pourquoi? Dans la nuit, là, nous tous, on a eu peur. On a eu peur. Dans ce grand matin, j'ai appelé, puis vous avez eu le téléphone, et puis vous m'avez dit de venir avec elle. Maintenant, on l'a demandé. Elle dit que c'est elle la sorcière. Le feu te brûlait, pourquoi? Elle a commencé à brûler. Je ne pouvais pas tenir mon cœur, comme ça, me brûler. Et pourquoi? Pourquoi? Non, tu dis non, pourquoi? Pourquoi du coup ton cœur a commencé à brûler? Qu'est-ce que tu as fait? On commence à prononcer la prière qu'elle a en train de faire. Elle commençait à dire, elle dit première fois, après deuxième fois, je ne pouvais pas parler, mon cœur commençait à me brûler. Et là, elle commençait à crier dans ma grand-mère, que mon cœur me brûle, mon cœur me brûle. Elle m'a donné le cul. Je n'ai pas pu le dire. Mais pourquoi? Tu as fait quoi? Tu étais quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Pourquoi c'est toi sur ton cœur brûle? De quoi? De quoi? Je sais bien fait. Il y a eu peur. Ça fait quoi? Il y a eu peur. Ça veut dire quoi? Ah, tu es quoi? Je suis sorcière dont le feu m'a brûlé. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu dis quoi même? Tu as fait de quoi? Tu n'es pas sorcière? Si. Ah, mais c'est ce qu'on veut que tu dises? Tu as fait de quoi? Qui effraie les gens là-bas? Prier là, ça effraie les gens. Ça t'effraie. Hein? Ça peut être demandé. Ils sont en train de te demander ou bien? Hein? Oui. Tu as eu quoi? Il y a quoi? Tu as fait quoi? Et puis la prière, tu as fait quoi? C'est comme ça qu'elle a bougé. C'est parce qu'il y a eu peur, mais pas que je fais le coup. C'est parce que je suis sorcier, il y a eu peur, mais pas que je fais le coup. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est moi qui parle. Oui, alors? Il a détruit la vie de ma maman. Quel nom? Elle. T'as détruit quoi? Il voulait tuer l'enfant qui était dans son ventre. Tu voulais tuer l'enfant qui était dans son ventre? Mm-hmm. Comment? Mm-hmm. Bonne chaise. Mm-hmm. Tu voulais faire quoi? Mm-hmm. Faut expliquer vite, 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 c'est le temps. Il voulait appuyer quand elle allait partir en coucher là. Elle allait venir. Avec la brisée de l'enfant. Oui. Mais tu avais dit à la sorcellerie. Elle ne savait pas. Et comment tu as contacté ta sorcellerie? Depuis mon enfant. Tu es né avec? Oui. C'est son père qui l'a bien. Je l'ai reçu aujourd'hui à mon cabinet. J'ai échangé avec lui et tout ça. J'ai même demandé, il dit, mais pourquoi quand elle avait cette sorcellerie, elle n'a pas parlé à son père? Et c'est pour son père ici. Elle avait l'âge de 5 ans, elle a parlé de ça. Et les gens devaient l'envoyer ou le tuer. Et puis il a banalisé ça. Il n'a pas pris son sérieux. Tu peux dire quelque chose là-dessus? Effectivement, bon, c'est ma fille. Elle a des 5 ans quand je l'ai prise, déjà, presque ce deux par là. Elle m'a dit, il y avait l'une de ses camarades qui est venue faire un jeûne à la maison. Elle a dit, mais je ne comprends pas votre fille. Quand je dors la nuit, elle me tape le bois. On dit, oh, écoutez, elle ne fait rien. Et donc, la fille lui a fait des aveux que je suis venue du travail. La fille a dit, papa, c'est vrai. Même toi, quand tu dors, on m'envoie vers toi de te tuer. Mais quand je viens de la chambre du feu, je tombe. Chaque fois, je tombe. Je ne peux pas rentrer dans la chambre. Elle dit, en bon, elle dit, bon, ça, on va voir après. Et j'ai ma fille. Celle qui a assise là, Gertrude, à chaque fois qu'elle dort, dit papa, c'est celle qu'elle a là, qui est en blanc là. Elle dit papa, quand je dors, Inès se couche chez moi. Elle dit mais non, elle a son lit à pas de ton lit. Elle dit papa, excuse-moi, bon, que laisse ça. Et elle a fait la troisième, elle avait trois ans, elle faisait le CPN. Donc à quatre ans, elle faisait le CPN, c'était bien. À un moment donné, je ne comprenais plus rien dans ses études. Elle dit mais Gertrude, qu'est-ce qui se passe? Elle dit papa, quand j'étudie, Inès prend mon esprit. Elle dit oh, arrêtez tout ça. Moi, j'ai libre esprit ici. Donc je comprends. Donc moi, c'est le truc qui n'existe pas, en fait. Parce que, en fait, c'est ma fille. Donc bon, il n'y a pas quelque chose de concret là.
Moi, je pense que les enfants délirent. Jusqu'à ce que sa mère vienne me voir au dîner, on dormait. C'est seulement depuis un moment qu'on s'est appuyé. Depuis qu'on m'a fêté au dîner, je ne voulais pas être là-bas. Donc, la lutte de la prière a commencé à s'accentuer. Donc, elle est venue dormir avec moi. Elle dit, ma semaine, réveille-toi, mais viens nous coucher avec moi. Elle est fille. Et là, il y a un problème. Parce que ce sont les mêmes signes avec l'autre. Tu vois, l'autre, c'est une femme qui t'avait monté son vagin. Et tu allais faire un mariage. Donc, j'ai. Ouais, l'enfant. Avec l'autre qui est là. Ouais, l'enfant. Ouais, l'enfant, s'il vous plaît. Quel est ton sein, c'est ça? Oui, quel est ton sein de celle-là? De celle-là, c'est une femme qui lui a monté le vagin la nuit. Le vagin la nuit. Elle m'a dit, bon, seulement en tant que très jeune, on s'amusait, on buvait, bon, on ne considérait pas. Et donc, cette fois-ci, quand ce n'était pas dit non, c'est sérieux. Parce que ce sont les mêmes signes de la fois dernière. On s'est levé à 3h, 4h, fait qu'on a prié. Qu'on a prié, fini, matin, tu sais, vraiment, ça me mettait mal à l'aise. J'appelle ma petite sœur. Je dis, voici une situation. Elle dit, bon, que ça marche parce que j'étais à Divo, j'ai vu à la télévision, tel prophète, lui donne-moi son numéro. C'est comme ça que j'ai appelé l'un de vos charges. Et il m'a dit, j'ai dit, tu vas, tu expliques au prophète, c'est comme tu vas à l'hôpital, dis lui ton songe. C'est ce que je lui ai dit, il ne faut pas tourner à gauche. Tu lui dis le son, mais ne dis rien. Et c'est comme ça, j'étais en mission, la frontière au Mali. Elle m'appelle, elle dit, ah, il y a un problème à Divo. Il dit, quel problème? Elle dit, la prière qu'on a lue, elle s'est manifestée. La première chose, je lui ai posé la question. Est-ce que tu es le seul ce prophète a dit, non, je suis allé voir Mario, il n'y a pas de problème passé, tu n'es pas le seul. Donc c'est comme ça. Mais il faut dire que, bon, je crois que, moi je ne crois pas à tout ça. Parce que depuis, c'est ma fille, je l'ai prise. Mais c'est des petits signes, à chaque fois, ça se répète. Bon, moi, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle me vienne vous avouer. C'est pour ça que je suis arrivé. Donc, je suis en longtemps, bon, petit humeur, mais je ne considérais pas. Jusqu'à ce qu'elle m'aime, elle vienne pour la vie. Parce que c'est ma fille, je ne peux pas la laisser. Ça, c'est quelque chose qui va se passer. C'est toujours ma fille. C'est clair. Mais comme elle est arrivée aux aveux, elle dit, ok, finalement, je crois que 2014, l'année de la télévision, de notre télévision. Comme ça, bon, voilà, je suis arrivé. Et qui a fait ça, la petite? Non, elle, je demande. La petite. C'est la femme qui est dans le camp. Quelle femme? C'est toi ou la femme qui est dans le camp? M'envoyer. Mais c'est toi qui as fait. Si on t'envoie, c'est que c'est toi qui as fait. Comment t'as arrangé à rendre cette petite là comme ça? Comment? C'est à toi, je demande. Elle m'a donné. Elle est donnée. Qui t'a donné sa Bible? Le nom de là. Hein? Son nom. Son nom. Mmh. Ça veut dire quoi? Le nom de qui? Oui. C'est pas quelqu'un qui a donné le nom? Non. Ça veut dire quoi? Explique bien. C'est pas ce que tu as fait raconter. C'est dans ta salle, ça les théâtres qui veut. Comment tu as donné, tu as rendu cela, tu l'as envoyé, tu l'as rendu quoi? Tu l'as envoyé où? Ton âme est où? Tu as fait quoi? Ça veut dire. J'ai pris son âme. Tu l'as envoyé où? J'ai pris son âme pour Dieu. J'ai pris son âme pour Dieu, ça. Mais où? On veut ça. Je suis un homme pour vous. Je parle de son nom. Je t'envoie ça où? Tu es sûr que tu es sorcière. Tu es convaincu que tu es sorcière. Et comment tu as fait pour prendre son âme? Tu l'as envoyé où? Mais son âme est dans la forêt. Et c'est un singe. Tu as envoyé dans la vie de cette. C'est un singe. Tu as fait un toc. Et vous avez mangé le singe. La vie de cette fille est sur le singe qui est représenté. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Tu n'as pas dit ça à quelqu'un? Non. Et pourquoi? C'est la même chose que tu voulais faire. Tu voulais la tuer, maintenant cette fois-ci elle a grossé, c'est ça? Elle va mourir. Et tu as programmé qui encore? Oui. Qu'est-ce que tu as programmé? J'ai programmé la sida.
l'accident. Concernant l'accident, encore, je vous ai dit, ma petite fille, vous voyez, dans la même semaine qu'elle est venue ici, elle a fait son chemin. Elle a dit à sa maman, le papa a fait un accident et qu'il est décédé. Et sa maman a dit, non, ton père ne peut pas me voir. Et c'est dans la même semaine qu'on m'a appelé. On m'a appelé pour dire qu'elle vient de dire que j'ai un accident. Et elle a caché ça. Estelle, elle a vu toujours, à chaque fois. Elle a caché ça. Je l'ai coincé ici, elle ne veut pas parler. Dit, tu as programmé qui ton papa là, ce n'est pas par accident. Moi, tu lui ai dit ça ici. C'est ça qu'on appelle, attends, la petite, elle a fait le son. C'est ça qu'on appelle le prophétique. Quand on venait ici, tout ce qui est caché là, Dieu nous fait sortir ça. On va déprogrammer. Vous savez, le diable, il glisse, il ne sait pas délier. Tu as gâté qui encore? Elle est où? C'est la même là. Bien. Depuis 3 ans, elle est même là. Elle m'a dit qu'ils ont pu s'en utiliser, je crois. Tu as su qu'ils ont su ton intelligence? Je ne me rappelle pas. Mais tu dis que c'est la venait se coucher sur toi. Quand il parlait, je ne me rappelle pas. Mais pas les petits. Non, on va voir. Oui, c'est vraiment très petit. Oui, très petit. Oh, mais j'ai pris tout ce qu'elle disait. Tu as fait un songe, ton papa. Ça, tu te rappelles quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Quand il dormait, il partait chez lui tout. Elle a monté d'une partie personnelle. Maintenant qu'on partait là, on ne sait pas dans quelle voiture elle est rentrée dans la bouche. Maintenant qu'on est parti là. Mon papa, il a fait un accident. Maintenant, partout, il est passé. Il voit mon papa, il a assisté une lame. Quand il ouvre le chien d'habit, il est assisté une lame. Tout le monde pleurait. Il dit, maman, papa est mort, papa est mort. Ça, maintenant, un fétiché. Il a appelé mon papa qu'il faut penser que c'est ton ami. Il voulait te tuer. Qu'il faut penser à c'est une protection. Mon papa a appelé. Dans le rêve. C'est-à-dire, ils aiment bien brûler les pistes. La personne même concernée, elle peut ne pas la voir dans le songe, voir une autre personne. Avant qu'on est dans la révélation, avant que ça ne sorte ici. Oui, c'est la même qu'elle a appelé, c'est la même semaine. C'est la même semaine qu'elle a fait la vie. On m'a programmé un assis. C'est la même semaine, tout s'est passé. On a besoin d'une bouteille pour elle, d'accord? On a besoin d'une bouteille pour elle, d'accord? Pour toi, deux bouteilles, une bouteille. Ok, on va faire la déprogrammation maintenant. On peut le faire maintenant. Ok, donne-moi les bouteilles. Venez, tu peux te mettre en genou. C'est une autre manière de faire les actions prophétiques. Dirina welo ye, dirina welo, okamo wazile, dirina welo, dirina welo ye, dirina welo, okamo wazile, dirina welo, dirina welo ye, dirina welo, okamo wazile, dirina welo, sionamio, okamo wazile, lako sionamio. Siona mio, okamu azile, lako siona mio. Siona mio, ye. Siona mio, okamu azile, lako siona mio. Siona mio, ye. Siona mio, okamu azile, lako siona mio. Siona mio, ye. Siona mio, okamu azile, lako siona mio. Lako siya. Lunaka la gozio, ma be wa la gozio, mosia
Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Oh yeah. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir.